Mais qu'est-ce que c'est? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler boxe. Je pense que vous connaissez le groupe Marie-Claire et ils ont lancé des box qui s'appellent Cosmopolitan Box. Et donc aujourd'hui, ils m'ont contacté pour que je puisse tester et vous en parler. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo unboxing pour découvrir la box avec vous en direct. Je ne l'ai pas encore ouvert, la box se présente comme ça. Donc elle est toute simple, toute mignonne. Donc c'est marqué boxsotrendu.com by Marie-Claire. Cette box-ci, c'est la box Working Girl qui est vendue au prix de 24,90€. Je crois qu'à l'intérieur, il y a une valeur de produit de 160,87€, si je ne me trompe pas. Donc ça vaut vraiment le coup et c'est que des produits full size. Ta-da-da-da. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. La box se présente comme ça. Merci d'avoir commandé la Cosmopolitan Box, édition limitée et produit full size. Oula, il y a plein de choses là-dedans. Regardez, il y a plein de choses. Alors déjà, on a une petite carte cadeau chez Spartoo, une carte cadeau de 20€. Donc déjà, ça vaut le coup si vous voyez que la box coûte 24,90€ et que vous avez déjà une carte cadeau de 20€ dedans. Ensuite, donc je vais prendre au pif, je vais commencer par ça parce que ça prend beaucoup de place. Donc on a un booster anti-cellulite et fermeté, ça c'est idéal pour la saison là au printemps. Pour préparer le summer body quand même, parce qu'il faut y penser, même si j'ai un peu beaucoup délaissé le sport ces derniers temps. Honnêtement, je venais justement de me remettre à la salle de sport et tout, j'étais super motivée. Mais là, le confinement, ça m'a achevé. Donc c'est de la marque Linéance, numéro 1 des amincissants. C'est une crème de massage pour les cuisses. Donc je vais tester ça et je vous en reparlerai sur Instagram si ça vous intéresse. Donc je teste ça et je vous en reparle. Alors ensuite, j'ai une petite eau micellaire de chez Skin Minute. Détox anti-pollution, peau mixte à grasse. Ça c'est bien parce que moi j'ai la peau mixte, donc au moins ce sera adapté à ma peau. Donc je connais pas cette eau micellaire là, mais je vais la tester et je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Ensuite, donc on a ceci. Waterdrop Micro Drink. Zen Starfruit Lemongrass White Tea. C'est du thé. Citronnelle, thé blanc, carambole. Lorsque vos pensées sont remplies de sérénité, vous expérimentez la beauté du silence. Vous vous retrouvez en pleine conscience. Le goût naturel de la carambole en parfaite harmonie avec l'extrait de thé blanc et de citronnelle vous rappellera qui vous êtes vraiment. Et il y a un petit dessin là avec une petite pierre qu'on jette dans un verre. Je suis désolée, ça m'intrigue, je ne vois pas du tout ce que c'est. Alors, je suis peut-être bête, hein, mais je ne connais pas ce genre de produit. Ça fait des petits cubes. Zen Water Drop. Alors ça m'intrigue vraiment et je vais tester rapidement parce que je ne connais pas du tout. Ensuite, on a une petite paire d'écouteurs. Bon, je vais les sortir de là. Ce sera quand même mieux. De la marque The Case Paris. J'ai déjà entendu parler de cette marque là mais j'ai jamais testé. Donc je ne connais pas. Bah écoutez, je vais essayer. En tout cas la boîte est vraiment trop mignonne. Je suis le genre de personne qui collectionne les boîtes et qui trouve les boîtes trop mignonnes. Mais ça s'accumule et après bah on en a trop quoi. Ensuite, gel polish pen de chez Awaena. Marque que je ne connais pas non plus. C'est bien parce que ça me permet de découvrir des nouvelles marques que je ne connaissais pas. Ou que j'avais jamais testées. C'est un stylo à vernis. Ça j'ai jamais testé parce que j'étais un peu... Donc, en fait ça se présente, il y a une petite brosse comme ça. C'est la couleur 3, rouge. Donc ça va parce que c'est une couleur que je porte assez facilement. Encore une fois je vais tester et je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis. Parce que je suis très intriguée par les stylos vernis. J'en ai déjà beaucoup entendu parler. Et donc ça peut être beaucoup plus simple pour faire des retouches ou voilà se faire un coup de vernis vite fait. Donc je vais tester ça et je vous en reparlerai sur Instagram aussi. Après, on a un petit bijou de chez Ipanema avec sa petite pochette. Trop mignon. Je suis en train de foutre mes petits papiers partout sur mon canapé. Oula, ah par contre, il est un petit peu emmêlé. Ah non, c'est l'aimant. Voilà le petit bijou de chez Ipanema. Donc c'est un petit bracelet aimanté, argenté. Merci pour la description, Justine, on n'avait pas vu. L'avantage des bracelets aimantés, c'est que ça se met tout seul en 2 minutes. Voilà, je le trouve super mignon. Je pense que là, pour cet été,
Trop chou. Pourtant, je suis plus habituée à porter du doré, mais là, franchement, je le trouve super tendance. Un peu bohème et tout. J'adore. Et donc, vous avez la petite pochette en tissu qui va avec. Dernier produit de cette box. Un petit pop socket. Je le trouve trop joli. Girl power. Ça va avec le sujet de la box. Working girl. Je le trouve trop joli. Et justement, j'en voulais un pour mettre sur ma coque de téléphone. Alors, pas sur celle-ci. Parce que je vais bientôt recevoir une autre. Que je vous montrerai ça sur Insta. Mais je le trouve trop trop joli. J'adore. Je pense que c'est mon produit favori de la box. Sur Instagram, je vous donnerai donc mon avis sur l'eau micellaire anti-pollution de chez Skin Minute, sur le stylo vernis, sur la crème anti-cellulite et surtout sur ça, parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup, le Water Drop. Vraiment, je connais vraiment pas. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce genre de petits cubes qu'on met dans de l'eau. Après, dans la box, si vous avez des produits qui vous ont satisfait, vous avez plein de petits papiers, des différents produits, des marques avec des petits codes promo, rien que pour vous. Donc voilà, je ne connaissais absolument pas cette box. Je suis vraiment contente qu'ils m'aient contactée pour que je puisse découvrir et tester. Donc je vais tester tout ça et revenir vers vous très rapidement. Si jamais vous souhaitez aller jeter un œil sur leur site, parce qu'ils ont plusieurs box en plus de celle-ci, je vous mets un lien directement dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voilà, voir un petit peu ce qu'ils proposent. Mais en tout cas, on est toujours sur des box qui tournent autour de 160-170 euros de valeur et que vous achetez à 24,90€, donc ça vaut vraiment vraiment le coup. Donc je suis impatiente de tester tout ça. J'espère que vous aussi vous seriez curieux de découvrir une nouvelle box, parce qu'on est un peu lassé, j'ai envie de dire, de toutes les box dont on entend parler tout le temps, les box make-up, les box beauté et les box qui envoient toujours les mêmes produits ou des échantillons. Là au moins vous avez du full size et vous avez des marques originales qu'on connaît pas forcément, donc je trouve ça vraiment vraiment intéressant et ça change des box de d'habitude pour un tarif qui n'est pas plus cher puisqu'on est au même prix que les box habituelles. Donc j'espère que vous aurez envie de tester cette box. Encore une fois, faites vos petits curieux et allez voir le lien que je vous laisse en commentaire. Et dites-moi ce que vous en pensez et si ça vous plairait de tester. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !